Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'allais essayer de faire une carte comme ça, où voilà, je partais un petit peu à l'aventure. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas filmer? Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je poste ou je posterai pas, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que j'avais envie de faire quelque chose avec une de ces deux découpes là. C'est la première fois, enfin, je viens juste de les ouvrir en fait, donc je n'ai pas encore découpé quoi que ce soit, puisque au moment de le faire, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Voilà, comme ça, je vais voir le temps que je mets à faire un tuto comme ça où rien n'est préparé. Voilà, donc pour l'instant, je vais juste faire les découpes pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser, enfin pour les découpes, j'utilise ce papier-là. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ce papier-là. En plus, il faut le colorier, et ben voilà, il est bien, il est adapté. Voilà. Donc, hop, je vais couper. Voilà. Pour, voilà. Mettre dans ma petite machine. Voilà. Voilà, au bord, là. Oups. J'avais pas prévu que ça glisse. Voilà, hop. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le premier, superbe. Elle est vraiment magnifique, la découpe. Oh là là, superbe. J'ai pas quelque chose de couleur parce que. Regardez-moi ça. Ça fait, elle est superbe. Je vais découper l'autre, voir ce que ça donne. Alors, oups, est-ce que mon papier, il est assez? Oh, mais oui. C'est assez. Alors, pendant que j'y suis, l'autre jour sur YouTube, je suis tombée sur. Alors, je suis incapable de vous dire sur quelle chaîne c'est ou voilà. C'était quelqu'un qui faisait des tests sur certaines choses. Et du coup, elle a fait. Comment dire souvent, il y a certains dyes quand on les utilise. Enfin, là, c'est resté un petit peu, mais. Quand il y a beaucoup beaucoup de petits détails, eh bien c'est embêtant à enlever en fait, parce que ça reste dans le dye en fait. Et puis là ça va parce que c'est des grands morceaux, mais quand vous avez beaucoup beaucoup de petits morceaux, c'est très long. Et en fait elle testait des choses et elle parlait de lingettes en fait. Et donc elle a parlé de ces lingettes-là, voilà. Des lingettes, là c'est celle de Super U, voilà. Et bah, quand on passe le dye, et ben voilà ce que ça fait en fin de compte, ben, ça reste collé. Du coup le dye, ben, il est tout propre en fait, les petits morceaux. Et ça marche vraiment bien parce que j'ai essayé sur, comment dire, sur des dyes, comment dire. Qui ont plein plein de petits morceaux, comme par exemple les napperons des fois. Et vraiment, bah, c'est nickel. Parce que avant, ça restait tout dans le dye. Il fallait avec ça aller tout enlever. Oups. Alors que là, et bah, avec ces lingettes-là, de Super U, et bah, ça reste tout collé à la lingette.
et le die il reste tout propre. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas c'est qui a eu l'idée de cette chose-là, de cette astuce-là, mais en tout cas, elle est superbe. Par contre, je suis incapable de vous dire sur quelle chaîne j'ai vu ça. Donc, voilà. Donc, on a hop nos petites... voilà. Et je me demande sur quelle couleur je vais faire. Hop. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors... je range mes dailles. Voilà, voilà le deuxième. Je vais voir avec les papiers que j'ai acheté l'autre jour, hop, dans les violets, parce que j'adore le violet, je vous l'avais déjà dit, il me semble. Alors, là, l'autre jour... ouais, je me demande si je vais ça, c'est pas mal. Ok, il y a là aussi. Ah, alors, je vais regarder dans celui-là et dans celui-là. Hop. Alors, on a le. Je vais regarder dans ce bloc-là si dans les papiers qu'il y a, s'il y en a un qui me plaît bien. Voilà. Ça va être petit, ça, par exemple. Celui-là, non. Oh oui, j'aime vraiment beaucoup. Seulement, voilà, est-ce qu'il y a du papier là-dedans? Il ne va plus rester grand-chose dans les papiers. Oh, quoique. Qu'est-ce que ça fait, là? Non, il faut que ce soit plus soutenu. Plus soutenu. Ah. Je pourrais tester les papiers que j'ai achetés chez nous. Les ai montré hier. Alors, est-ce qu'il y a une couleur? Je vais regarder dans les couleurs qu'il y avait. Il me semblait qu'il y avait dans les... violets. Oui, c'est ça. Peut-être un peu trop vieux. Quoique, sinon, à moins que je fasse... un matage, ouais, mais oh non, ça fait pas beau. Non, ça fait, j'aime pas du tout. C'est pas du tout l'effet que j'aimerais avoir. Pas du tout. Dis donc, il y a les clubs moto qui sont sortis. Oh, quoique celui-là, ça peut faire bien. Hein. Ah, j'aime bien celui-là. Je vais voir celui-là. Et est-ce que normalement il y en avait des. Non, c'est pas trop. Il semblait qu'il y en avait un blanc dans le même style avec des petits brillants. Donc, comme ça. Ah, j'aime bien. Hop, on va. Allez, hop. On se lance. Oups, ça fait du bruit, ça. Ah, j'enlève tout ça de là. Voilà. Donc, alors, je vais prendre mon massicot. Alors, je vais prendre la base blanche. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Alors, là, ça fait 21. Donc ça fera 10,5. C'est 10,5. Donc c'est impeccable. Et donc je vais faire hop, 14,5 de hauteur. Voilà. Voilà. Hop. 14,5. Donc on va plier. J'espère que elle ne marque pas trop. Voilà. Oh, oula, c'est pas si terrible que ça. Pour les plis. C'est celui-là.
Ouais. Voilà, donc ça fera ça. Et du coup, on va faire un petit matage, donc avec ça, comme ça. J'espère que ça va faire joli. Et donc là, je vais couper. Alors, j'ai dit que ça faisait dans les pointes. J'ai dit que les qu'elle faisait 10 et demi, donc je vais mettre 10. Ouais, 10. Voilà. Donc 14 et demi, donc 14. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. La trace de la découpe, ça fait pas beau, pas joli. J'aime pas quand ça fait ça. Voilà. Donc. Et donc, voilà, ça va être comme ça. Ok. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, par contre, il faut que je trouve un petit rose pour... Il me semble que je... Voilà, celui-là. Entrée. Alors, normalement, je vais... Lequel c'est ? Celui-là. Que... Hop, j'utilise mon encreur de chez Action, que j'ai changé la pastille de scratch. J'ai mis une plus grande. Hop. Alors, ça va faire comment ? Si ça le fait. Parce que ça fait blanc, j'aime pas quand ça a coupé. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Je vais coller avec du double face 3D. Voilà. Voilà, voilà. Je ne vais pas coloriser la fleur, je vais la laisser blanche. Voilà. Je vais pas. Voilà. Et voilà. Donc. Je vais aller couper. Couper, oh là là, coller. Et le téléphone, bien sûr. Voilà. Et après, hop. Oh, je trouve que ça fait très joli. Celle-là ou celle-là, je ne sais pas. Les deux, j'aime bien les deux, en fait. J'aime beaucoup les deux.
ça, on peut faire un petit peu sortir. Je vais peut-être mettre celle-là. Peut-être mettre celle-là. Ouais, en plus celle-là. Bon, cette fois-ci. Voilà. J'ai collé là au bord comme ça. Hop. Voilà. On va coller. Et après, je vais voir comment... Oups, 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 oups. C'est vrai que celui-là... Oh. C'est, elle est embêtante, cette colle, pour ça, en fait. Hein. C'est vraiment... on peut à peine... On appuie à peine que déjà... Ouf. Il faut faire vraiment... Oups. Voilà. Allez. Donc là, voilà. Chiffon. Et voilà, c'est tout simple. Et là, alors. Regardez les petits mots que j'ai là. Des petites choses que j'aime bien, qui me viennent à l'idée. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Oui, ça va, c'est bête, ça va pas. Non, ça va pas. Non, pourtant c'était... Mais c'est écrit... C'est trop grand. Je trouve que les le mot moment, il est trop, il est, ça fait trop gros. Dommage parce que ça me plaisait bien. Voilà, c'est à partir de là qu'on met du temps, parce que du coup, là, je cherche quelque chose qui me plairait bien. Là, ça, ça va pas. Voilà. Tout ça là dans ce que j'ai là, là il y a une écriture toute petite et blanche. Alors. Là, quoique s'il y avait un merci, ah oui, je voulais faire une petite carte pour quelqu'un. Ah oui, ça aurait été très bien, mais bon, là j'ai pas. Je vais pas avoir. Attends, il me semblait que j'avais quelque part. Non, ça va pas. C'est pas ça non plus. Dans cela, il n'y a rien. C'est marrant, il me semblait que. Je vais aller regarder parce que j'en ai beaucoup d'endroits où. Hein, c'est la caverne d'Alibaba. Là, j'essaie de regrouper au fur et à mesure les choses, mais il y a encore du travail. Et il me semble que j'ai. Voilà, dans cette boîte-là, ce que je. Ah, ben voilà ce que je cherchais. Enfin, ce qui m'est venu à l'idée là. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a donné des petites choses. Et du coup, je voulais lui faire une petite carte pour la remercier. Ah, c'est bête, c'est que... Ah oui. Oui, mais j'aurais dû réfléchir avant. Parce que là, en fait, il aurait fallu que j'enlève ça. Oh, ça m'empêche pas de l'enlever. Hein. Hop. Si je fais ça... Voilà.
Voilà. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Parce que si ça c'est, je suis à 1 km. Regardez, comme ça. Et maintenant, j'aurais bien mis juste des petits brillants, en fait. Vraiment, quelque chose de délicat. Il faut que je cherche. Là on va voir ma petite boîte à voilà, je vais chercher ce petit outil là. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre là, parce que là nous avons plein de brillants. Déjà je vais voir si ça fait bien, parce que si ça se fait, ça fera pas bien du tout. Alors déjà sur le i de merci, le petit point, voilà. Je me dis que peut-être que je pourrais mettre à l'intérieur là de la fleur. J'ai plein de petits brillants. Alors, je vais pas faire comme ça. Je vais mettre des points de colle. Oh, ensuite, décidément, j'essuie mon bout. Voilà, voilà. 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 Des petits points de colle comme ça. Quand je vais les mettre. Oups. Voilà. Il faut que j'arrive à retrouver tous les petits. Voilà. Encore des minuscules. Parce qu'ils sont très difficiles à attraper. Voilà. Là, j'en ai eu deux et puis j'ai trié, mais je crois pas assez les tout petits. Oui, non, ce c'est pour les tout petits. Mince. Ça va prendre plus de temps que prévu. C'est désolant parce que là il va pas dans cela, il va pas avoir les bon, bah, je voulais mettre des tout petits. Je crois bien que je ne vais pas réussir. J'ai enlevé celui-là. Tant pis, je vais garder. Oh. Je vais mettre les autres. Voilà. Alors, ça va en faire moins beau, je pense. Ça faisait plus joli avec les tout petits, je pense. Voilà. On dirait que c'est pas tous les mêmes. Tant pis, on va faire comme ça. Et le dernier. Que voilà. Un peu. Point.
pas. Je sais pas. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un petit filet de la colle. Je sais pas pourquoi c'est là. Ça fait comme la colle chaude à chaque fois. Ça fait des petits fils. Hein. Voilà. Oh, je ne vais pas mettre 50 000 autres choses hein, parce que je trouve que peut-être un petit peu quelques petits comme ça là juste quelques petits brillants comme ça au hasard. Les laisser. Voilà. Je crois que j'en ai perdu. Voilà. J'ai mis encore de la colle. Je vois plus. Là, peut-être. Voilà. Là, et peut-être un autre par là parce que ça fait vide là-haut. Oui, j'aime bien, c'est tout simple, regardez. Voilà, hop. Voilà, voilà, je sais pas s'il manque quelque chose, c'est bizarre, on dirait que celui-là, c'est pas le même. Je vais enlever celui-là. Il brille bizarrement. On dirait que c'est pas le même. On va remettre de la colle. Voilà. Et on va remettre un autre. Voilà. Là, ça fait pareil. Voilà. Oh, ben dis donc, c'est moto aujourd'hui. Oula! Bon ben voilà, je pense que je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment que j'en mette un gros. Non, là, pas du tout les gros. Ça fait pas du tout l'effet. Parce que si j'en mets. Non, plutôt. Ah bah zut, ça vient tout. En plus je vais faire non, je crois que je vais juste laisser comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, ma petite carte de remerciement. Voilà. Écoutez, bah voilà, j'espère que ma petite carte vous a plu. Elle est vraiment toute simple. Je pense que je vais la laisser comme ça. Si jamais une autre idée me venait et que je voulais la changer, bah, je vous montrerai. Voilà. Mais non, je pense que je vais la laisser comme ça. J'aime bien. Oui. En fait, ça aurait été plus un petit peu de la dentelle, mais non, je vais laisser comme ça. Ben, j'espère que ma petite carte vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.